bien bonjour à tout le monde, à tous les municipants et surtout à ceux qui ne sont pas venus parce qu'on est à la moitié du gala. Et a priori, bah, le gala se passe très très bien, il y a de très très beaux combats. Hein. Au niveau des municipants, on a déjà bien marqué le coup, on a 2 victoires sur 3 boxeurs, donc c'est pas mal. Hein. Et je crois que les gens qui sont dans le public, bah, je les remercie d'être là et de bien supporter nos boxeurs. Oui, pour l'instant, on a des bons résultats. On a bon Tolga qui faisait son premier pré-combat, qui gagne, donc c'est très très bien. Bon, on a un petit bémol avec Jean Minet, Damien, qui lui a quand même fait un beau combat, très dur, mais bon, il était un petit peu dominé. Mais il a montré qu'il avait des possibilités. Okay. Ensuite, Dimitri Septrier, je pense qu'il a surpris tout le monde. Hein. C'est un garçon, il faut quand même le reconnaître, qui a beaucoup de difficultés de s'entraîner parce qu'il travaille toujours d'après-midi et de nuit. Donc souvent, il s'entraîne tout seul à la salle d'entraînement. Et pour quelqu'un qui s'entraîne assez souvent seul, je pense qu'il a montré une très très belle boxe. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a un bel avenir dans la boxe. De l'entraîneur, vous avez surpris tout le monde ce soir. Bah ouais, parce que je suis sans entraînement un peu et là ça fait du bien une victoire. Hein, parce que je sors sur un match nul, je sors sur une défaite. Donc là, une petite victoire ça fait du bien pour mes débuts en amateur. Voilà, on va voir pour la prochaine fois. Hein. Ouais, bah, je trouve que tu as fait un beau combat apparemment. Ouais, j'ai les 3 rounds. Pour les juges, je prends les 3 rounds. Mais sinon, il était pas mal aussi contre qui j'ai boxé. Quoi. Il était pas mal aussi, quoi. Mais c'était son début lui. Hein. Comme moi. Toi, c'était ton premier combat ? Non, moi, c'est mon troisième combat, là. Mon troisième combat, ouais, ça fait 2 ans que j'en fais, là. Mais on va voir, là, pour les prochains. On verra. Un peu la pression quand on monte sur le ring, justement. Au début, ouais. Après, sur le ring, non, ça va, la pression, on l'a plus. Parce qu'on est dans le match. Et après tout redescend quoi, mais au début ouais c'est normal un petit peu. Mais juste avant de monter sur le ring, sinon ça va. Faut en continuer sur ta lancée pour aller plus loin le possible. Ouais il faut. Là je me remets bien aux entraînements et puis je vais mettre bien. On verra déjà pour les demi-finales. Alors, Issan, eh bien, on avait hésité un petit peu parce qu'il doit boxer la semaine prochaine en demi-finale des championnats d'Alsace-Lorraine. Mais
comme il n'avait pas boxé cette saison, il fallait à tout prix faire un match, enfin un combat de préparation. Donc le Luxembourgeois qui devait au départ boxer à une gastro, donc on a été obligé en deux jours de trouver un adversaire. On a été le chercher au-dessus de Paris. Hein, donc quelqu'un qui vient de relativement loin, il vient de Laon. Hein, donc quelqu'un qui avait déjà un palmarès au niveau amateur, qui avait fait déjà pas mal de combats. Et je pense que les gens ont vu que c'était surtout quelqu'un qui frappait très très fort. Mais Issan, pour la première fois qu'il boxait sans casque, ça l'a un petit peu libéré. Et je pense que là, effectivement, il a bien travaillé en contre, des belles droites en contre. Je pense qu'il a fait un beau travail sur le ring et que sa victoire est méritée. Voilà, et je remercie aussi les gens là qui l'ont bien encouragé parce que je pense que ça a permis de monter un petit peu un cran au-dessus. Issan, un beau combat ce soir. Bah ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, non, je suis content. Je suis vraiment content du combat. Après, par rapport à ça, j'ai pu faire de belles choses, donc je suis vraiment content, quoi. En plus, bon, c'était quand même un combat de préparation parce que je boxe la semaine prochaine. Donc il fallait pas non plus que je me blesse ou que je me fatigue de trop, quoi. Pour le week-end prochain. Le week-end prochain, c'est les demi-finales du championnat d'Alsace-Lorraine. Donc voilà. C'était la force tranquille, justement. Tout le monde me dit ça, mais bon, après, voilà, quoi. Je pense que j'ai fait un bon combat. Maintenant, il faut que je voie les vidéos et tout ça, quoi. Allez. C'est ton 75e combat à peu près, hein. Et puis ce soir, un combat sans casque. Ouais, voilà, donc là, c'est la première fois que je boxe sans casque, donc le règlement a changé là en septembre, et voilà, c'est vraiment super aussi de... En fait, c'est une autre expérience. Sans casque, c'est vraiment super, quoi. Enfin, moi, j'aime bien. Ouais. Ouais. Peut-être, pourquoi pas, une autre saison pro l'année prochaine, pourquoi pas. Oui, parce que 75 matchs, ça fait quand même pas mal, hein. Enfin, c'est sur toute une carrière que tu avais arrêté entre-temps, justement. Ouais, voilà, j'ai arrêté entre-temps, donc... pour privilégier un petit peu la vie de famille, donc la vie professionnelle, et puis voilà, maintenant on revient dans le circuit. Avec ton fils, peut-être futur boxeur. Ah, pourquoi pas, j'espère. Après, de toute façon, après on espère, après on verra. Le plus important, c'est d'abord les études, et puis un bon état d'esprit en général, et puis on verra, quoi. Et justement, t'étais un peu la preuve que ce sport est un sport noble, comment on peut dire. Bah après, c'est vrai que c'est y a beaucoup d'avantages à faire ce sport, donc déjà au niveau du respect de soi et du respect des autres. Puis après, c'est un peu une valeur qu'on a envie d'inculquer à tout le monde, que ce soit aux enfants ou aux autres boxeurs. Allez, encore.
Donc pour nous, c'est une bonne soirée. Hein. On attend maintenant la suite des boxeurs municipaux pour dire que c'est une très bonne soirée. J'espère qu'on pourra dire que c'est une très bonne soirée.